Yo, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Fortnite, mais juste avant de commencer, n'hésitez surtout pas à t'abonner à ma chaîne YouTube avec la petite cloche de notification et le petit pouce bleu. Je vous invite à tous entrer le code créateur FinTechSB dans la boutique Fortnite en majuscule ou en minuscule, c'est la même chose et bien sûr, bonne vidéo. Mais comme tu peux le voir, j'ai offert des cadeaux sur Fortnite. Si toi tu veux tenter ta chance pour obtenir un petit cadeau dans la boutique Fortnite, que ce soit un skin, un panneau ou une emote, pour cela c'est vraiment super simple. Première chose, tu t'abonnes à ma chaîne YouTube avec la cloche de notification. Une fois que tu as fait ça, tu as juste à poser un petit pouce bleu et bien sûr tu dois mettre le code créateur FinTechSB dans la boutique Fortnite #AD. Une fois que tu as fait tout ça, tu dois juste mettre ton pseudo Epic Games PSK dans l'espace commentaire. Et bien sûr, une fois que tu l'auras commenté, je viendrai t'ajouter tous les vendredis pour voir si tu as gagné ou pas un petit cadeau dans la boutique Fortnite. C'était FinTechSB. Je te souhaite une bonne chance et une bonne vidéo. Yo tout le monde, c'est FinTechSB, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube, comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, si vous êtes nouveau ou nouvelle, c'est surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube avec la cloche de notification. Et comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à le rendre dans la boutique d'objets et de faire la case soutenir un créateur et de vous rentrer le code créateur FinTechSB dans la boutique Fortnite #AD. Voilà, cela me fera vraiment super plaisir. Simplement aujourd'hui, je vous montrerai comment obtenir 3 nouveaux tickets de remboursement et gratuitement sur Fortnite. Simplement aujourd'hui, je vais vous montrer que je ne possède pas de ticket de remboursement sur mon compte Fortnite. Simplement ici, ticket de remboursement, je possède 0 ticket de remboursement. Mais moi, je vais vous montrer comment obtenir 3 tickets de remboursement. Exemple, moi, je pourrais avoir 2 tickets, 2 nouveaux tickets de remboursement. Simplement pour commencer, normalement, vous devez avoir un achat qui date du mois de septembre au maximum août. Voilà, c'est vraiment super simple. Là, vous allez faire utiliser le ticket de remboursement. Là, vous allez faire revenir en arrière. Vous allez faire le bouton retour. Là, vous allez partir juste ici dans vos paramètres. Voilà, c'est vraiment super simple. Non, signalement, là, vous allez faire report à bug or player. Vous allez cocher la case. Vous allez faire signaler un bug. Vous allez descendre tout en bas. Boutique casier ou salon. Des récompenses que j'ai obtenues n'apparaissent pas. Là, vous allez cocher la case. Là, vous allez faire refaire la capture d'écran. Là, vous allez faire le bouton continuer et accepter. Voilà, c'est vraiment super simple. Envoi du signalement à Epic Games. Là, vous allez faire le bouton fermé. Vous allez partir dans la boutique d'objets. Vous allez faire soutenir un créateur. Et là, vous allez faire accepter. Là, vous allez cocher sur un emote. Là, vous allez revenir dans vos paramètres. Voilà, c'est vraiment super simple. Là, vous allez faire signalement. Et juste ici, il y aura assistance et remboursement. Vous allez faire se faire rembourser ou annuler un achat. Là, vous allez faire utiliser le ticket de remboursement. Oui, je veux utiliser ce ticket de remboursement. Là, il y aura un bug de Epic Games qui dit que ce n'est pas censé ce problème. Du coup, là, vous allez faire OK. Vous allez encore refaire la même chose. Voilà. Oui, je vais utiliser ce ticket. Oups, erreur. OK. Là, vous allez revenir à la boutique de Fortnite. Là, vous allez partir dans vos paramètres. Voilà, c'est vraiment super simple. Vous allez cocher juste ici. Quête d'opinion. Là, vous allez vous mettre sur nom. Recevoir des cadeaux. Vous allez cocher la case nom. Le bouton va appliquer et là vous allez faire oui et là vous allez faire oui sur les options qu'on vient juste de désactiver. Là vous allez faire le bouton appliquer, se faire rembourser ou annuler un achat, utiliser le ticket de remboursement. Oui, je vais utiliser ce ticket de remboursement. Et là vous allez faire non, revenir en arrière. Vous allez revenir au lobby de Fortnite. Vous allez partir juste ici dans signalement et retour, report à bug or player. Là vous allez refaire la même chose pour le faire 2 fois. Petit casier ou salon. Des récompenses que j'ai obtenues n'apparaissent pas. Refaire la capture d'écran. Voilà, c'est vraiment super simple. Vous allez faire le bouton continuer et accepter. Envoi du signalement à Epic Games. Là, vous allez faire le bouton fermé. Et là, vous allez revenir dans vos paramètres. Dans se faire rembourser ou annuler un achat, comme on peut le voir aussi. Je possède 0 ticket de remboursement. Actuellement, sous 24 heures, Epic Games va me mettre mes 2 tickets de remboursement que j'ai réclamé juste ici. Simplement, c'était FinTechSB. En espérant vraiment que cette vidéo de glitch sur Fortnite Battle Royale vous aura plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube. Pensez au code créateur FinTechSB dans la boutique Fortnite #AD. Et si la vidéo vous plaît, n'hésitez surtout pas à lâcher un petit pouce bleu. C'était FinTechSB. Allez, ciao tout le monde.